¿Quién tiene más éxito con las chicas? Killer. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vidéo particulière quand on va sortir du sportif afin de se pencher sur les femmes de footballeurs. J'en vois déjà venir. Oula, à quoi ils jouent? On est dans l'ère du temps où ce genre de choses attise la curiosité, que ce soit dans le football, le sport en général, et depuis longtemps chez les stars. Il y a des histoires surprenantes, d'autres complètement farfelues, et des rumeurs comme la dernière qui concerne un certain Mbappé. Premier arrivé, premier servi. A-t-il trouvé sa bien-aimée? La réponse est difficile à avoir, le Kiki cache bien son jeu. Néanmoins, de nombreux noms parmi lesquels un lien avec lui a été fait ont circulé. Entre Capucine Anav, Alicia Ellis, la Miss France 2017, l'actrice Emma Smet, les deux ont été vus ensemble au parc, ou encore une certaine Maria Luisa Jacobelli, journaliste sportive italienne comme l'a rapporté la Gazzetta dello Sport. Même si les paris, on peut dire qu'il va droit au but. Pour ma bite de noir, allez. Le bof par excellence. Plus dernièrement, Esther Exposito, la chaudasse, permettez-moi le terme, dans la série Elite, rejoignait le bateau. Les likes par-ci et par-là sont pas passés inaperçus, ni la story de la demoiselle avec le fameux tic-tac pour la nouvelle année. El Chiringuito a dû apprécier. Tic-tac. Vous savez où elle est née d'ailleurs? À la Madrid. Madrid, c'était pour titiller mes parisiens. Plus sérieusement, c'était plus futile qu'autre chose étant donné que la nana a fait apparition, voire plus si vous voyez ce que je veux dire, sur un post Insta de l'acteur uruguayen Nico Furtado. Bref, je me suis attardé sur ce cas en particulier, mais j'ai fait la même avec d'autres joueurs en mode fineur. Vous allez voir, certains vont vous surprendre. Avant de basculer dans le concret, l'équipe, en ce moment, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a des matchs absolument tous les jours, et pronostiquement parlant, des opportunités sont à saisir sur BetClick. Vous avez en plus 100€ offerts sur le premier pari avec le code LEXITIER. En parallèle, si vous voulez des conseils et être accompagné comme moi, n'hésitez pas à rejoindre la Team Parieur et son Telegram 100% gratuit qui compte déjà près de 42 000 personnes. Tout type de cotes sont balancées quotidiennement avec un taux de réussite important. Preuve en est cette série 12 pronos gagnants fin décembre. Les liens sont en description comme toujours. Au passage, je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce levé. On peut plus dire bleu, et ouais, la couleur a disparu finalement. Si on peut atteindre un cap comme celui-ci, ce serait top. Merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. Alors il y a plusieurs catégories, vous allez voir, j'en ai répertorié 4 grossièrement. On connaît tous ce cliché de la femme footballeur michto qui est là pour l'argent et pour rien d'autre, véridique parfois, souvent même, mais certains contredisent la règle. Première catégorie justement, les femmes qui étaient déjà riches ou célèbres avant de rencontrer leur bonhomme, David et Victoria Beckham d'entrée. Vous êtes pas sans savoir que notre dame était membre des Spice Girls, et elle a tout simplement tout cassé durant des années, notamment avec le titre Wannabe sorti en 96. Pendant ce temps, monsieur évoluait à Manchester United et gagnait certainement moins avant d'officialiser avec elle en 1999. Selon plusieurs articles, Victoria gagnait 65 millions d'euros par an. Il est même dit que durant une tournée en 2007, elle a pris 62 millions. Tout ça pour en venir à sa fortune, qui est estimé à près de 450 millions d'euros, la plus riche des femmes de footballeurs. Le couple est toujours intact actuellement, pendant que le mari a racheté l'Inter Miami, club de MLS. De suite, enchaînons avec Piqué et Shakira, inutile de la présenter à son tour. La chanteuse colombienne a explosé les ventes de disques. Waka Waka, la musique de la Coupe du Monde 2010, y est pour beaucoup. C'est d'ailleurs l'année suivante qu'elle officialise avec le défenseur du Barça. Alors être déjà mondialement reconnue dans un domaine, c'est bien, mais elle s'est pas arrêtée à la chanson. Elle a par exemple été jury de The Voice, fait apparition dans de nombreuses pubs. Bref, sa fortune est estimée à près de 350 millions d'euros. Rien que ça. Maintenant, je vais peut-être en surprendre quelques-uns. Si je vous dis Schweinsteiger, les amis, vous me dites. Certains l'ont pas. Anna Ivanovic, sa femme, donc, était tenniswoman, ancienne numéro 1 mondiale, joueuse serbe WTA de 2003 à 2016, 15 titres remportés, dont Roland Garros en 2008. Au cours de sa carrière, elle aurait empoché près de 13 millions d'euros. Mais en plus, attendez, il y en a là-dedans. Elle est partenaire avec Adidas comme son mari, donc elle peut ajouter 2,5 millions d'euros par an. Elle a signé plusieurs contrats publicitaires. Elle est ambassadrice Rolex, par exemple. En termes d'investissement, elle a fait quelques placements boursiers et elle a un patrimoine immobilier conséquent. On va s'arrêter là. Passons à Sergio Ramos et Pilar Rubio. Nos deux Parisiens, désormais, sont ensemble depuis 2012 et se sont mariés en 2019. Alors la particularité de cette femme, c'est qu'elle a joué sur plusieurs tableaux, dans le sens où elle a été actrice, mannequin, journaliste, animatrice TV, extrêmement connue en Espagne dans les années 2000, jusqu'à en être la femme la plus sexy du pays en 2008. Si on additionne les deux, ça plafonne facilement au-dessus des 100 millions d'euros. 100 millions. On arrive au derdéder de notre catégorie, Kevin Trapp et Isabelle Goulart. Comme la précédente, cette femme d'origine brésilienne et mannequin, elle a défilé pour beaucoup de marques de luxe telles que Balenciaga, Chanel ou encore Ralph Lauren. Elle a quand même été égérie de Victoria's Secret durant 3 ans. Sa fortune est estimée à près de 5 millions d'euros. Voilà pour ce premier tour. On arrive dans la catégorie que je passe en dessous de celle qu'on vient de faire, dans le sens où ils ne sont plus ensemble, malheureusement ou heureusement pour certains. Je pense à Adil Rami et Pamela Anderson. Mauvais souvenir pour mes Marseillais. Ronaldo et Irina Shayk, celle qui disait à CR7 de moins être avec sa mère, mais ça marche pas comme ça. Neymar et Bruna Marquezine, un sacré foutoir cette histoire. Pour la faire courte, la relation avait débuté en 2012 jusqu'en 2014. À nouveau, entre 2016 et 2017, janvier 2018, il officialise, mais en octobre, elle annonce la séparation.
Voilà, ça peut arriver comme on dit. Dans le même rayon, Ben Arfa et Iris Mittenaar, ancienne Miss France, Miss Univers quand même, qui a préféré retourner voir Kev Adams, Thuram et Karine Lemarchand, Lilian l'a remplacée par Karine Guyoc, présentatrice d'M6, ou encore Benzema et Rihanna, la rumeur pour le coup n'a pas été confirmée. Or, cette photo existe réellement. Je l'aurais applaudi s'il y avait eu concrétisation, quand le couple a une très longue durée, sur des années, c'est beau, mais ça l'est d'autant plus quand il s'agit du premier amour, le fameux. On a tous en tête Messi et Antonella, le sextuple Ballon d'Or était ami d'enfance avec la charmante, se sont rencontrés alors qu'il avait 20 ans et elle 19, pour finalement se mettre ensemble en 2009, se marier en 2017 et avoir 3 enfants qu'on voit souvent lors des cérémonies, quand il a annoncé son départ du Barça, par exemple, ou sur les réseaux. Dans ce rayon où règne beau jour et fidélité, Hugo et Marine Lloris. La rencontre a eu lieu au lycée, le mariage en 2012 et pareil, 3 enfants, Aaron et Colin Ramsey. Pendant l'adolescence cette fois, le premier enfant en 2015, Wayne et Colin Rooney, tiens le même prénom. Le rapprochement s'est fait lors des premières années de football dans le centre de formation d'Everton. Par contre, je peux retirer ce que j'ai dit sur la fidélité, il connaît fort le contraire. On a tous souvenir du dernier scandale où on le voit en boîte avec une femme et dans une chambre d'hôtel ensuite. Avant, il y en a eu d'autres. Revenons dans le monde en rose, les pétales qui tombent avec Gareth et Emma Bale. Il n'y a pas de précision collège, lycée, mais la rencontre s'est faite en période scolaire, le mariage en 2019, pas si lointain que ça. Et enfin, un ancien international tricolore, Blaisou, Matuidi et Isabelle. Là, en revanche, tout est précisé. Un premier lien à l'âge de 15 ans au lycée. Les années sont passées, la carrière avec, le mariage en 2017 et 4 enfants, dont le dernier en 2021. On n'oubliera pas la recherche Matuidi femme pour une photo lors de la Saint-Valentin. C'était lunaire. Enfin, l'équipe, on arrive au cas que je place. À part, dans le bon et le mauvais sens du terme, les femmes venant de télé-réalité, avec qui pour certains ça s'est bien passé, ils sont encore ensemble, et d'autres non, Martial et Mélanie Dacruz directement. Elle a été candidate de Secret Story 9 et ne vit pas un long fleuve tranquille à ses côtés. Sans faire de dessin, on va dire qu'Anthony aime bien les choses sombres, Mbanyang et Emily Fiorelli dans la foulée. Elle a également fait partie de Secret Story 9, mieux, c'est la grande gagnante de la saison. La relation entre les deux est finie depuis peu, mais avant la rupture, le couple s'était formé en 2016 et a eu 2 enfants, Boubacar Kamara et Coralie pour Ovecchio. Il y a vraiment un truc avec la 9ème saison de Secret Story. Elle aussi s'est fait connaître de cette manière. Elle a enchaîné d'autres émissions et est tombée sous le charme du défenseur de l'OM, Morgan Schneiderlin, effectivement, et Camille Sol. Elle était présente dans la 12ème saison de Koh-Lanta. Les deux se sont mariés en 2017 et ont eu un enfant. Et avant de clôturer la vidéo, Coman et Sephora Gouagnan. Elle a fait Les Anges et diverses émissions dans le genre. On a pu l'apercevoir lors de l'Euro 2016. Ils ont eu 2 filles, mais la séparation en 2017, violence conjugale, 5000 euros d'amende, tout ça. Depuis, il s'est mis avec une dénommée Sabrina Duvad. La demande de mariage en 2020 et un enfant en 2021. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il avait quitté le Rassemblement des Bleus durant le début de l'Euro. Quelques bonus de footballeurs avec leur bien-aimé. Non. Bref, voilà l'équipe, j'espère vraiment que cette vidéo particulière vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Très important. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre justement. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao.